Bon, alors voilà les citoyens de la liberté, hein. J'avais envie de faire un vlog rien que pour ça, parce que aujourd'hui on nous a donné rendez-vous sur la place du Capitole à Toulouse vers 14h30 pour revendiquer notre droit de respirer, donc c'est-à-dire d'arrêter de porter ce masque en fait, et puis pour d'autres choses aussi concernant tout ce qui se passe en ce moment. Et donc là je suis en train de m'y rendre et c'est je pense la première fois que je vais participer à un truc comme ça, un rassemblement, surtout dans ce temps-là, j'en ai pas fait depuis très longtemps, j'ai fait peut-être deux manifestations dans ma vie, mais là c'est pas une manifestation, c'est juste on va se mettre devant le Capitole et on aura peut-être des pancartes, on va se réunir, on va juste tous enlever nos masques. Je sais pas combien on sera, donc j'avais envie de vous amener avec moi. Je fais rarement des vlogs, mais là je trouvais ça sympa. C'est marrant, là ça fait à peu près 30 minutes que je marche, il me faut à peu près 45 minutes pour m'y rendre à pied. Et j'ai remarqué que je commence à avoir un peu de stress, en mode « Ah mon dieu, j'espère que ça va bien se passer, tout, avec la police, nanana... » En vrai, ça va être un truc pacifiste, quoi, donc tranquille, mais je me suis même prise à faire des prières, en mode « Ok, s'il vous plaît... » Et je pense que j'aurai beaucoup d'avance, donc je vais aller un peu me balader en ville avant de m'y rendre. Bon, on arrive au Capitole d'ici 10 minutes et j'ai aucune idée de qui va y avoir là-bas, combien de monde. Je connais personne, donc je vais essayer de sympathiser avec des gens. Parce que j'ai envie de me faire des contacts aussi, de personnes qui sont un peu, je vais pas dire réveillées, mais ouais, si quand même en fait. J'arrive dans 2 minutes à la place du Capitole. Je suis stressée. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un stress comme ça, en fait depuis un an peut-être, depuis que plus rien ne bouge, mais on arrive là. Ah, j'ai hâte de voir. Finalement, ça s'est juste trop bien passé, c'était génial. Je pense qu'on était à peu près une cinquantaine de personnes. Et comme vous avez pu le voir sur la vidéo avant, on a rapidement sympathisé avec un petit groupe où il y avait 3 Sarah dedans, d'ailleurs c'était marrant. Et c'était cool parce qu'il y en a un qui a dit « C'est ouf, en fait, ça fait presque depuis un an du coup que j'ai pas vu des gens sans masque. » Avec qui j'ai pu discuter tranquillement comme ça, sans peur. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, moi aussi, en fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pu rencontrer des nouvelles personnes en vrai, en face à face. Et ça change complètement, genre, on a besoin de ce contact. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en lien une page que vous pouvez suivre pour les prochains rassemblements qui aura lieu. Alors, ce sera pas uniquement à Toulouse, hein, c'est un petit peu partout en France. Et ça fait du bien. Et au moins, ça fait bouger les choses à notre niveau.
Voilà, plus on est, mieux c'est, mais c'est déjà bien de commencer par quelques dizaines, quoi. Si je voulais vous amener avec moi durant ce vlog, c'était bien sûr pas juste en mode regardez ce que je fais, machin. C'est vraiment pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui bougent et faut pas se dire genre ouais, de toute façon je serai tout seul, je vais pas le faire ou je vais pas commencer un mouvement parce que je suis tout seul. En fait, ça démarre toujours par une idée. Tout dans la vie, tout. Il faut juste se bouger. Et là, par exemple, j'y étais tout à l'heure, j'avais l'impression que j'allais être seule et finalement il y avait 50 personnes. Donc tout est possible. Et on sait jamais où ça peut aller, ce genre de mouvement. Donc revendiquons pour nos libertés, parce que là c'est déjà allé beaucoup trop loin et ça peut continuer d'aller encore beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup de gens là déguisés, je sais pas ce qui se passe, des centaines de gens déguisés, quasiment tous en masque aussi, donc je sais pas ce que c'était. C'est une sorte de fête comme ça, donc ouais, je sais pas. Regardez, ils sont tous déguisés. Avant de finir cette vidéo, je tiens à préciser un truc cool quand même, c'est que on était sur la place du Capitole, donc place où il y a quand même souvent pas mal de police qui circulent. Et la police est passée plusieurs fois et nous a bien vu, hein, 50 personnes sans masque, en train de manger ensemble, de mettre de la musique, tout ça. Rien. On nous a rien dit, personne s'est arrêté. Et j'ai trouvé ça super cool. Et il y a deux Toulousains qui m'ont dit que ils font pas trop chier les gens avec ça. Alors bien sûr, oui, il y en a qui peuvent quand même se ramasser des amendes ou quoi, mais là c'était super tranquille, ils nous ont rien dit. Encore une fois, c'était pacifiste, hein, on n'a pas manifesté, rien, on était juste là sans masque à discuter tous ensemble, à faire des nouveaux liens, et c'était juste trop bien. Ça fait un bien fou, quoi, genre des choses normales en fait qu'on devrait vivre déjà depuis longtemps à nouveau. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt du coup.